Bonjour à tous, c'est Guillaume Pointieu, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review d'une arme à feu. Aujourd'hui je vous présenterai le 44 Magnum. Soit de ne pas l'avoir entre mes mains, je vous mets une petite photo sur la vidéo. Alors pour l'historique, ce 44 Magnum a été fabriqué aux États-Unis vers les années 50 par Smith & Wesson. Il est utilisé par le GIGN en ce moment et est montré dans de nombreux films et nombreux jeux vidéo comme vous pouvez vous en douter, Call of Duty Modern Warfare 3, Resident Evil ou encore Uncharted. Donc cette bête fait 1,4 kg, donc calibrée en 44 Magnum, elle a une portée à peu près de 100 mètres, donc c'est assez énorme pour un revolver. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a une lunette, donc dans mon test de tir il y aura une lunette bien sûr. On se retrouve pour le test de tir. Ou 44, ton père, ouais. Comme ça. Ah bon? Putain. Je vais dire à ma femme que c'est moi. Alors les amis, nous nous retrouvons après ce test de tir. Nous allons analyser la cible ensemble. Donc, voilà la cible. Alors j'ai tiré 10 coups sur cette cible. Mais comme vous voyez, la cible s'arrête à 7, c'est normal. En fait c'est un centre de cible. La cible normalement est grande comme ça, c'est 50, donc 50 cm sur 50 cm pour du tir à 25 mètres. Donc vous voyez qu'avec ce 44 à 25 mètres c'est très précis. Car je vous l'ai dit qu'il avait une portée de 100 mètres. Vous remarquerez que je ne dépasse pas le 8 sauf une que j'ai mis dans le 7. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, la faire partager, ce qui me ferait énormément plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à plus !